Hier, il y a un résultat qui nous a été favorable, c'est la défaite de Pau. Donc, ça nous a ouvert une fenêtre, un espoir. Et je crois que tout le monde a eu encore plus envie en se disant que ce match, c'était acquis tout double. Soit on gagnait aujourd'hui, on éliminait, mais du moins on mettait à distance un concurrent direct et on pouvait espérer encore. Soit on perdait et à ce moment-là, on n'avait quasiment plus notre destin entre nos mains. Donc on l'a fait et c'est beau parce qu'on a vécu une petite période difficile juste avant. Et d'arriver à remettre un coup d'accélérateur maintenant, c'est bien pour le groupe, c'est bien pour le club, c'est bien pour tous les supporters qui sont déplacés aujourd'hui. Donc, c'est bien. C'était un match âpre, difficile de combat. Je savais que les Rochelais étaient un peu en difficulté physiquement. Parce que c'est difficile quand tu enchaînes comme ça, quand tu fais la Coupe d'Europe, quand tu fais un quart de finale de la Coupe d'Europe, nous on s'est reposé pas eux, ils sont sur le 10e match, franchement c'est dur quoi. Et je savais, ils avaient eu beaucoup de blessés, alors ils avaient fait le choix de rentrer tous les mecs, et je savais qu'ils pouvaient manquer de rythme et de vitesse, et nous on avait alourdi notamment le centre devant, parce que il me semblait que ça pouvait se jouer là, et ça s'est joué là. Donc, je crois que c'est un très bon match à l'extérieur, dans la gestion des temps forts et dans la gestion des temps faibles. J'espère juste, c'était mon message à la fin du match, on était en difficulté avant le match, parce qu'il fallait absolument gagner, on a gagné, on n'est pas qualifié aujourd'hui, donc, tout reste à faire, tout reste à confirmer, mais tu comprends bien que je préfère avoir gagné quand même. Hein.